Ok, après vous avoir présenté les lieux les plus dangereux au monde, ceux que vous ne pouvez pas visiter, ou encore même ceux qui viennent d'une autre planète, eh bien on continue notre petit tour de la Terre. Mais cette fois-ci, on va aller dans le trou du cul du monde, si on peut dire quoi, en faisant un tour non exhaustif de certains endroits les plus paumés sur Terre. Et d'ailleurs, en parlant d'isolement, j'ai rajouté deux documentaires sur Poisson Fécond Plus, qui est donc la plateforme de docu qui est dédiée à la culture générale et puis à la découverte du monde. Le premier, ça s'appelle L'âme de la banquise. C'est un docu qui suit Nathalie et Alain Antonielli, qui est un couple de photographes, et qui suivent le quotidien d'un habitant du Groenland pendant un an, et ils vont vivre à sa façon. Le second, c'est Ceux du bout du monde. Et dans ce documentaire, il est question d'un petit village où vivent 400 habitants et 800 chiens. C'est surréaliste pour moi. Et du coup, on va suivre leur vie et les problèmes auxquels ils se heurtent. Si ça vous intéresse, en ce moment, il y a 50% de réduction sur l'abonnement annuel qui vous revient donc qu'à 29,99€. Bref, sur ce, commençons la vidéo. Première destination, c'est cette petite île qui s'appelle Tristan da Cunha. C'est vraiment nulle part en fait, c'est entre rien et rien quoi. Du coup, il y a vraiment rien autour. Cet endroit est tout vide. Bon, c'est grosso modo entre l'Amérique du Sud et puis l'Afrique du Sud. Bon, allons voir à quoi ça ressemble plus précisément. Ouais, les gars, ils arrivent gentiment sur leur bateau. Ça a l'air effectivement un petit peu tourmenté comme endroit. C'est quand même vachement brumeux. Il y a une petite vibe quand même, du coup, d'un film de Stephen King quand même, là, quand on commence. On se dit qu'il va y avoir un truc grave. Peut-être juste, non, rien, c'est juste des gens qui habitent là. Ouais, ok, bon. L'île a l'air bien perdue, il ne doit pas y avoir beaucoup d'habitants. C'est donc clairement là ce qu'on est en train de voir, le truc le plus paumé au monde. Et ça a été découvert en 1506 par Tristan da Cunha, d'où le nom de l'île, il s'est pas emmerdé. Et il faut littéralement 7 jours de bateau en partant du Cap en Afrique du Sud. Alors, c'est composé quand même de 5 et il n'y en a qu'une seule qui a habité, de 250 personnes. Soit les gens y partent, soit ça doit être ultra consanguin, je pense. Parce que la population la plus proche de cette île, elle est à 2400 km. Pour vous dire, la France, de haut en bas, c'est un peu plus de 1000 km. Donc, le seul événement un petit peu notoire de l'île, ça s'est passé en 1961. Donc voilà, il y a un peu plus de 50 ans, c'était une éruption volcanique. D'ailleurs, petit fait intéressant, mais sur cette île, il y a 50% des habitants, la moitié, qui ont des signes partiels d'asthme. Et il y en a un quart qui sont complètement asthmatiques. En même temps, ils sont si peu nombreux, quoi. Donc il y a un côté génétique. Hein. Deuxième endroit complètement paumé, c'est parti. Là, regardez qu'est-ce qu'on a, c'est l'île Macquarie. On dézoome, où est-ce qu'elle se trouve celle-là? Wow, mais y a rien du tout, putain. Ah ouais, ok. C'est sous la Nouvelle-Zélande, mais bien bien en dessous. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans, Renaud? Oh putain, il y a beaucoup de piaf là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, c'est des pingouins ou des manchots? Je sais plus faire la différence. Il y a des orques, enfin, des otaries, je sais plus trop. Ils ont passé un bon moment là. Ouais, il y a des vagues. C'est beaucoup d'écume. Hein. Ouais, bah du coup, il y a encore le petit oiseau là. Putain, il y en a beaucoup. Hein. Yep. J'ai un ami qui s'appelle Ulysse Lubin qui avait fait l'Antarctique il y a quelques semaines. Je sais pas s'il est pas passé par là justement. Bon, c'est une petite île, elle fait 128 km². C'est considéré comme l'Australie. Alors, il y a quand même quelques dizaines de personnes qui habitent là-bas, hein, et ce sont des scientifiques. Hein. Et il y a une réserve naturelle qui a été créée sur cette île en 1933, vu qu'elle n'était pas habitée ou habitable. Et du coup, bah, cette île, elle abrite des gorfous de Schlegel. C'est un mélange entre un... Ouais, on dirait un Pokémon, quoi, en vrai, du coup. Mais il y a aussi des éléphants de mer, même des oiseaux marins. Et il y a une colonie d'otaries. Concentre-toi ! Il y a une colonie d'otaries à fourrure qu'on peut voir, qui s'y sont établies il y a quelques décennies. Alors, surtout qu'ils ont quand même évité de peu l'extinction, donc ça a été un peu leur refuge. Et puis, il y a plusieurs insectes qui sont endémiques à l'île, donc qui n'habitent que là. D'ailleurs, la plupart, ils sont venus sur l'île en volant et ils ont perdu leur aile puisqu'elle n'était plus très utile. Et surtout parce qu'il y a beaucoup de vent. Bon, en tout cas, c'est une zone restreinte, mais il y a quand même quelques bateaux de croisière, commerciales et éducatifs, qui sont autorisés à visiter l'île. Mais c'est quand même ultra encadré. Troisième petit coin de paradis. Là, on est dans le nord des États-Unis et je vais dézoomer pour voir ceci. Et voici, alors du coup, on est vraiment entre le Canada et puis les États-Unis. Alors comme ça, ça a pas l'air trop paumé, mais on est dans une région où il y a beaucoup de lacs. Ok, ok, je sais plus où je dézoome. Ouais, bon. En dessous? On est où là? Attendez, où je suis? Many tic-tacs later. Ok, ok, ouais, bon, on y est. Attends, on vient de le trouver. Qu'est-ce qu'il a ce coin spécifique? On sait pas, on va voir. Ah ouais, on s'y attendait pas, mais il y a quand même un peu de neige. On croirait un coin des États-Unis assez classique, on va dire. Ouais, ok, vous voyez, en fait, là, du coup, là, il s'agit bien d'une enclave. Donc, on a tous les États-Unis en dessous. Et là, on a l'espèce de petit bourrelet, là, en haut, comme une sorte de corne. Et cette partie, c'est ce qu'on est en train de voir. Et tout autour, c'est le Canada. Alors, c'est des frontières imaginaires. Hein. On voit pas la différence quand t'es dessus, quoi. Mais en vrai, ce petit coin, qui est quand même pas si petit que ça, il y a 54 habitants. Et on peut y accéder, en vrai, que de deux manières. Soit en bateau, sans avoir à passer par la frontière, hein, Canada-États-Unis, ou en voiture, si vous partez des États-Unis. Mais là, vous avez plus de 100 bornes à faire sur des chemins qui sont assez périlleux, quoi, du coup. Nouvelle destination de rêve, le Rinconada. Où est-ce qu'on est, là? On est...
On est du coup au Pérou. Rinconada, c'est ici, ok. Et on dirait qu'il y a des montagnes juste à côté. Ah oui, ok, je me souviens, je me disais bien, en fait, c'est la ville la plus haute au monde. C'est marrant parce que je l'avais en tête, ce lieu, waouh, c'était vraiment ça, quoi. Bon, c'est vrai que ça vend pas trop du luxe, là, quand on voit comme ça, mais c'est fait en tôle, du coup, toutes les maisons. Ouais. Qu'est-ce qu'ils bouffent? Ça, c'est vraiment une question, parce que c'est vrai que, du coup, ils ont l'air vraiment très très hauts. On se rend pas compte, mais ils sont à 5100 mètres d'altitude. Je rappelle, le Mont Blanc, l'altitude du Mont Blanc, c'est 4807 mètres. Ils sont plus hauts que le Mont Blanc. C'est n'importe quoi, voilà. Donc là, c'est vraiment le Pérou, donc, dans la cordillère des Andes. Et on n'est pas loin du lac Titicaca, le fameux lac des Mayas, ou les Aztèques, ou les Incas, je sais plus. Je suis désolé, j'ai confondu un peu. Alors quand même, la ville, il y a 60 000 habitants. On dirait pas comme ça, parce que du coup, ils doivent s'entasser. Mais ça change rien au fait que c'est isolé, quoi. Donc il y a deux fois moins d'oxygène là-bas qu'au niveau de la mer. Et c'est un endroit quand même qui a la capacité à fasciner les chercheurs, parce que, comment c'est possible, machin. Donc il y a pas mal de travaux qui sont faits sur le sujet pour comprendre comment c'est possible que ces gens, vivent là-bas, en fait. Parce que théoriquement, c'est pas possible, quoi. Donc, en tout cas, pour y aller, faut que vous preniez l'avion jusqu'à Cusco, la capitale. Ensuite, faut prendre un train pour rejoindre les rives du lac Titicaca. Et ensuite, faut faire du stop ou prendre un bus qui passe parfois là-bas. Ou alors, faut y aller à pied, mais vous allez douiller. Surtout, vous risquez d'avoir des malaises, vous évanouir et tout. C'est probablement mon préféré. Alors, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que je vais découvrir. Regardez. Où est-ce qu'on est? Ok, on est quelque part perché sur le Groenland, au milieu de rien. Après, est-ce répétitif de dire que le Groenland, c'est au milieu de rien du tout? Je ne sais pas, quoi. C'est pas faux. Par contre, très clairement, là, je me posais les questions avant. Ouais, est-ce qu'en hiver, il fait nuit? Est-ce qu'en été, il fait toujours jour? Là, la question est vite répondue, comme disait l'autre. En été, très probablement, ici, vous devez avoir le jour constant, donc le soleil se couche pas. Et en hiver, il fait toujours nuit. Ça doit être hyper spécial à vivre. Voilà à quoi ça ressemble. J'imagine que là, on est en été, ce qui fait jour. Du coup, il y a le soleil. Vous regardez, il est pas très haut dans l'atmosphère, à l'horizon plutôt. Il y a quelques maisons quand même. Est-ce que ça ressemble à un village? Est-ce que c'est une base scientifique? Puis qui habiterait là, en fait? Des questions! Toujours des questions! Après, c'est probablement des gens quand même très introvertis, je pense, dans leur vie, qui n'aiment peut-être pas trop la civilisation et qui ont besoin de se retrancher. À titre perso, moi, quand j'habitais à Paris, j'étais un petit peu sur les côtés, et du coup, ça me frustrait de pas être directement dans la capitale. Là, par exemple, à Lyon, j'ai choisi de m'installer vraiment au centre. Mais il y a une part de moi, j'aimerais bien habiter dans des endroits comme ça. Alors, peut-être pas aussi loin de tout, parce que c'est chiant après pour pouvoir aller boire un coup, mais un truc retranché, un peu isolé ou beaucoup isolé, où tu vois pas tes voisins à la ronde, c'est un truc qui peut être sympa, ouais. Les petits loulous, là c'est les loups, bon ok. Il y a des enfants qui vont à l'école. Bon alors la nuit, déjà que le jour c'est mort, alors la nuit t'imagines même pas. Alors là il y a quand même mine de rien 345 habitants quoi. Hein. Et c'est l'une des villes, alors une ville, calmons-nous, hein. C'est un village quoi, l'un des plus isolés au Groenland. Et il faut faire à peu près 50 km pour accéder à un héliport, si on veut rejoindre la capitale Reykjavik. Capitale de l'Islande là hein, du coup. Hein. Et donc évidemment il fait froid, été comme hiver. Alors le maximum que vous pouvez imaginer là-bas c'est au plus chaud de l'été et il fera alors 10 degrés. La moyenne annuelle, c'est à peu près moins 5 degrés, donc il fait souvent un peu glacé. D'ailleurs, sur les 30 dernières années, la température maximale qui a été enregistrée, c'était 21 degrés et c'était en plein mois d'août. Alors que la plus basse, c'était à peu près moins 40 et c'était en mars. Voilà. Et où est-ce qu'on est, la rue Balkali? C'est quand même grand, hein. C'est entre l'Arabie Saoudite, le Yémen et Oman, mais probablement que ça doit être un désert. Vous êtes vraiment très perspicace! Clairement pas sur la même ambiance. Ok, des déserts, des dunes. C'est con, par exemple, vous voyez, avec le sable, c'est assez paradoxal, mais il n'est pas exploitable, le sable des déserts. Quand je dis pas exploitable, c'est que, par exemple, on peut pas l'utiliser pour faire du béton. Parce que vous le savez, le béton, il faut différents ingrédients, dont beaucoup de sable. Pour faire du béton, c'est le sable qui vient de sous l'eau. En fait, le sable du désert est trop rond, ça doit être le vent probablement qui doit le lisser. Donc c'est comme des mini perles. Et du coup, comme c'est trop rond et trop lisse, ça adhère pas quand tu veux faire un gros bloc. Donc les déserts, en tout cas, on sait pas trop comment les exploiter encore. À part mettre des panneaux solaires, probablement, quoi, j'imagine. Anecdote du BTP, voilà, ça fait plaisir, quoi. Mais bon, là, c'est juste pour dire qu'effectivement, comme on voit les images, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, les habitants de là-bas, ils appellent ce coin le car vide. Enfin, le car, comme 1, 2, 3, car. Et ce car vide, il fait une surface d'à peu près 650 000 km². Et ce chiffre-là, il est beau parce que c'est quasiment la surface de la France, de la Belgique et des Pays-Bas réunis. C'est fou quand même, hein. Alors comme c'est un désert brûlant là, du coup, on peut facilement monter à 50 degrés en pleine journée et descendre à moins 15 la nuit. Mais c'est pas mort pour autant, hein, du coup. Il y a quand même quelques espèces de plantes qui ont réussi à survivre. Il y a aussi quelques araignées et pas mal de rongeurs. D'ailleurs, pour la petite info, dans Uncharted 3, on le traverse. Ça a été utilisé aussi pour Star Wars 7.
Et le dernier, c'est ce petit truc-là qui ressemble à un... Je sais pas comment dire, un croissant qui a bien pris cher. Et on est perdu au milieu de l'Antarctique. Ok. Ah bah du coup, quand tu veux un truc perdu, tu l'as. Hein. Alors pourquoi ce lieu spécifique et pas ce qu'il y a autour, hein? Ça, c'est une bonne question, ça. Et ce lieu, ça s'appelle l'île de la déception. Ah ok, bon, du coup on trouve des piafs. c'est des pingouins, autant pour moi. Il y a quand même un petit truc qui a été construit. Je me demande toujours comment ils font pour bouffer dans ces endroits-là. L'eau, éventuellement, ils chopent de la neige, ils la font fondre. On se dit, ça va, mais la bouffe, est-ce qu'ils se font ravitailler? Peut-être qu'ils bouffent que de la viande, hein, ou du poisson, c'est vrai. Du coup, on est bien loin de tout. Hein. Et on est qu'à 120 km de l'Antarctique à ce niveau-là. C'est un peu particulier, et du coup, il y a notamment des grandes baies au niveau du centre. L'endroit est pas si grand, ça fait que 12 km de diamètre d'ailleurs. Et il y a quand même, il y a des monts, il y a des sortes de petites montagnes. Pendant longtemps, l'île servait de refuge pour les chasseurs de phoques, puis les chasseurs de baleines. Voilà, c'est un endroit isolé, mais qui a quand même été visité par l'être humain, quoi. Parce que s'il fallait parler de tous les endroits où on va pas, on n'a pas terminé, quoi. D'ailleurs, il y a un cimetière ici, il y a plusieurs hommes qui y ont été enterrés depuis pas mal de temps, quoi. Mais il a été recouvert par la lave parce qu'il y a eu une petite éruption volcanique en 1969. D'ailleurs, le volcan, hein, présent, il est toujours en activité, donc ça peut repéter à tout moment. Ah! Mais en tout cas, dans ce petit lieu très sympa, il y a des bases de recherche scientifiques qui sont gérées par des Argentins et des Espagnols. Bon bah voilà, en tout cas pour ces différents lieux vraiment paumés comme on l'a vu à travers le monde, est-ce qu'il y en a un qui vous tente quand même, que vous aimeriez visiter pour peut-être séjourner, se faire un petit Airbnb d'une semaine ou deux, un an, deux ans? Ça doit être une expérience intéressante quand même. Bon voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous retrouve dans une prochaine. À plus.